tous les moyens de l'État mobilisés aux petits soins des vacanciers dans le Morbihan, même si les CRS ne sont pas sur les plages, cette année appelés à des missions de sécurisation, 43 baignades sont surveillées par des nageurs sauveteurs, pompiers ou SNSM. Numéro qui compte dans le cadre des opérations dites côtières, c'est le 18, le numéro d'urgence, mais aussi le 112, numéro qui est accessible via un portable. T'es seul dans l'eau ? Parce que le département du Morbihan, c'est le 4e département estival de France. On devrait avoir entre 3,5 millions et 4 millions de personnes supplémentaires. Donc il est nécessaire que toutes les forces de sécurité montent d'un cran leur dispositif pour assurer la sécurité des touristes. Bien sûr, les gendarmes sont présents sur les routes et des renforts engagés également dans des postes provisoires et sur les îles de Wat et des Dyks. Les gendarmes mobiles, rompus aux missions extrêmes, protègent la population de jour comme de nuit. 130 militaires s'ajoutent aux effectifs des brigades et des PSIG. C'est plus que l'année dernière. Oui, il s'agit bien entendu de répondre à l'affluence de population sur les différentes zones estivales, en l'occurrence sur la presqu'île de Quiberon, presqu'île de Ruy, sur toutes les plages du littoral du Morbihan, afin justement de prévenir les éventuelles commissions d'infraction liées aux atteintes aux biens. Même en mer, les délinquants sont pourchassés et sous l'eau, les militaires savent relever les indices d'une scène de crime. Comme sur Terre, c'est de l'identification subaquatique. Dans un univers noir, très sombre, froid. Donc comment on s'y prend ? Souvent au sens du toucher. Et puis on a du matériel spécifique au milieu qui nous permet de pouvoir réaliser ces missions. Matériel de prélèvement, matériel de photo, vidéo, détection de métaux. Ce sont les vacances, oubliez la vitesse, les polices municipales sont toutes sur le terrain.